Mwinda. Epele. Epele, Epelite. C'est à votre télévision. Moi, je suis un peu plus de merci pour la fidélité et la confiance dans le programme. Je suis un peu plus de Afrique, la chaîne authentique, toujours au cœur de l'actualité. Je suis un peu plus de temps. Je suis siège. Il y a un nouvel élan et pas un peu plus de militants, de cadres, de partisans. Il y a un parti politique cher. Il y a Adolphe Mozeto. Il y a une rentrée politique. Il y a un peu plus de temps. Et puis, il y a tout juste après. Mesdames et messieurs de la presse, camarades militantes et militants de Nouvel Élan, très chers invités en vos titres et qualités respectives, le Nouvel Élan, parti politique cher au Premier ministre honoraire Adolphe Mozeto, a le réel plaisir de vous savoir nombreux à cette première rencontre de l'année 2022 qui marque la rentrée politique de notre cher parti. Elle se justifie par la trêve observée par tout au monde pendant les festivités de fin de l'année et nous permet de traverser la transition entre le passé et le présent. À ce propos, il s'agit de faire un bref aperçu sur ce qu'a été l'année 2021 pour le Nouvel Élan et à la même occasion, nous projeter dans le futur. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'année 2021 n'a pas été de tout repos pour nous. Nous étions présents sur deux fronts, celui de l'implantation et celui de la résistance. En ce qui concerne l'implantation du parti, nous étions présents sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour consolider notre ancrage dans le peuple par l'inauguration de nos sièges et l'installation de nos comités de base. Il s'y est de noter que notre cher parti politique Nouvel Élan est représenté dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo et les 145 territoires qui la composent. Avec l'acquisition de nos sièges dans lesquels nos comités provinciaux travaillent, le Nouvel Élan, dans moins de 3 ans, affirme son leadership sur le plan national. Parlant de la résistance, notre cher parti politique Nouvel Élan, membre de la coalition Lamouka, a pris part activement au combat pour la vérité des urnes. Le Nouvel Élan a pris part également aux propositions de réformes amenées pour assurer le choix des électeurs lors de prochaines échéances électorales. Le Nouvel Élan a pris part à toutes les marches pour la dépolitisation de la CENI et pour la suppression de la taxe RAM. Nous n'avions jamais hésité de prendre position sur la situation de l'insécurité, particulièrement dans la partie est de notre pays. Sur le plan social, le Nouvel Élan n'a cessé de plaider pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais, notamment dans le secteur de l'éducation et de la santé. Sur la situation de droits humains et de bonne gouvernance, le Nouvel Élan constate malheureusement que rien n'a été enregistré comme avancer. Mesdames et messieurs, camarades militantes et militants, vous comprenez que là, nous venons de résumer un peu ce qu'a été l'activisme de notre cher parti politique en l'an 2021. Et maintenant, nous nous projetons en l'an 2022, c'est-à-dire l'année en cours, où le Nouvel Élan et son leader Adolphe Mozeto seront plus déterminés et vont poursuivre 3 objectifs, à savoir consolider l'implantation et la redynamisation de nos bases. À ce sujet, nous annonçons la tournée de notre leader sur toute l'étendue du territoire national au mois de juin prochain.
Ces tournées seront bien évidemment précédées par de grandes activités aux couleurs de notre parti politique. Deuxième objectif, le nouvel élan va poursuivre les combats de la résistance ensemble avec nos alliés pour de bonnes élections, libres, démocratiques et transparentes, dans le respect du délai constitutionnel, avec un bureau de la CENI dépolitisé. Et troisième objectif, le nouvel élan va se mettre à préparer son offre politique qui sera présentée en 2023. Comme vous le savez, l'année 2023 est une année électorale. Eh bien, le nouvel élan se prépare, bien évidemment, à présenter son offre pour ne pas dire que nous ne sommes que dans la résistance, mais également et surtout dans la vision de l'initiateur du parti. Et par conséquent, 2023, c'est cette année qui nous permettra de faire la présentation de cette offre. Bref, je dirais, l'année 2022 sera une année d'action pour le nouvel élan et son leader, non pour la libération de notre peuple et de son pays. En ce qui concerne l'actualité, le nouvel élan constate malheureusement et simplement la désacralisation des institutions de l'État par le régime illégitime qui se caractérise par l'amateurisme et l'affairisme au sommet de l'État. Mesdames et messieurs, comme c'est une conférence de presse, nous n'allons pas être longs. Tel était le mot du parti et nous nous confions au jeu de questions-réponses pour plus ample détail. Vous savez, situation à RDC Lelo, et ça, le coup là, histoire, il y a Moutouka. Moutouka, où ils sont en bon état, ils font un parking, les tiboués. Mugolo Moutouka, oyo ayebi makambwa Moutouka, mais ya linga kokumba mingite parce que alinga kakucha Moutouna Moutou devant ba responsabilité na yeso koza chauffeur kumba, toza mécanicien, la kisa mécanique. Pe chauffeur oyo ayeko weli sanalombangu ko déplacer toko tambu sa Moutouka. Mugolo Moutouka la muki abimi alobi non na linga sa déplacement, mais il reconnaît que Moutouka na ye a sikawana. Et ça, les mots, sans ébélé, et tambolité, et fanny dans le parking. Mais l'urgence, c'est comme il y a le binôme, il faut la tambo, il faut la longue, et si quand on a zalina avancé, parce que besoin sont gros, les os et langaï. Atali Pembe, Atali gauche, Azolu, ka chauffeur, Moutoumo, wa abimi, à l'obi, nanaza mokumbi. Baninga, na ebe, va soutenir, et va bi, oui, à kumba. De quoi, na koti, na Moutouka, a démarré. Moutouka, oui, fanny dans le garage, et sali, na parking, et sali, moi, sans ami, balé, misat. Ne croyez pas la moko à côté à démarrer. A ebi si mokolo Moutouka, kota toke, bakoti, basali même pas 100 mètres. Moutouka e bandi ko titibe, bandi ko kangama, e komi ko chauffe, e zo koka okene malamu te. Si go yo moutou nanga la moutou nabiso, situation ya mokolo Moutouka e sengele zalani, est-ce que il faut andima ko poursuivre nzela na ye na Moutouka ndengeza ko sala bongo? Topé et Sengeli Akita pour Aluka Mokumbi Moussousou. Parce que, vraie question, par rapport à la première question, est-ce que Moutouka Nezali Mabé, Topé Nakawana, chauffeur de moto, Aza Amateur, a évité? Nabanza été anecdote Wana, Ezali, qu'on résumé. Situation oyo tozali ko traverser na mboka na biso soki bokope sanga tango na limbola yango Moutouka ezali lokola ekolo Congo. Mokolo Moutouka ezali biso peuple souverain oyo tofandi awa toza ko représenter ba ebazali na 26 provinces na biso plus de 100 millions de Congolais. Chauffeur ezali ba ebazali ko kamba mboka lelo na illégitimité contre volonté na biso peuple. Soki mokolo Moutouka aye azana posa atambola et que Moutouka na ye efandi na garage tope na parking pendant sans ami balemisa to minei,
réflexe est un bon chauffeur. Et qu'on a avant à démarrer, et Sengeli a vérifié, est-ce que ma foute a Ezali? Est-ce que maï Ezali? Est-ce que carburant Ezali? Ce qui a s'assuré que maï, ma foute, carburant Ezali, n'est à démarrer à faire avancer mon Tukanaï. Mais ce qui Ezali, à quoi ça m'a collé mon Tukanaï? Non, non. Il faut que tu aies carburant, il faut que tu aies ma foute, il faut que tu aies maï pour mon Tukanaï, ça va sauter. Mais si le chauffeur a un réflexe ou un athée, et la qui s'y était, soit à Yekola, Motuka, Nalopango et Paya Tata Naye, à Ebi Ekola, j'ai dit non, mais t'es, soit à Zalina Molangwa, soit à Zalina Molangwa, à Melaki, moi, mon cœur, à Mboete, à Kotawana, par réflexe, il y a qui bon chauffeur et qui m'y est. Les alliés situations où tous alliés n'ango lelo. Et puis pas tous alliés monto na monto a tiré conclusion naé pour na koye ba et pas ywa bi mboka izwani. Merci. Yawa la vie vous tirez tout ça. Voilà. Balinga kako soutenir nouvelle et là na mona mboka donc nous y tomar kasi pas mater ba ébiété boleki naé en tant que premier ministre hier à Kenda kaki non na mabele pour na ko découvrir été bater kaka madesu ration à bas soldat na ba wenze et pas y au bazar pour son bas bloc à bas civil. Il y a des mecs qui ont découvert que ma munition, Oyo et Tindamaka, dans l'Est, pour que Bunda Bitumba, pour battre la monde, on a mis sur l'école, pour que la Kayamonde, ma force négative, ma rebelle, pour que la Kayamonde, ma travaille contre l'intérêt du peuple, pour que la Kayamonde, pour que la Kayamonde, a continué jusqu'à tourner en tête, pour battre la Kayamonde, pour dévoiler ma secrète. Donc, dans le bac, il y a des choses qui sont en Koloba, des alliés qui sont en Koloba, des Koloba, tout au Bangui, mais nous avons l'objectif pour le peuple, les alliés qui sont en Koloba, les alliés qui sont en mais ceux qui ont tout le monde, ils sont en Koloba, ils Baba, TVP et Lobaka, Radio P et Lobaka. Adolphe Mouzito, Adolphe Mouzito, Fumoupa, Ndeko gelo atuni motuna ya lamuka. Non, ndeko gelo esengeli koyeba ete lamuka ezali kotambola na kimia. Mwana mboka Adolphe Mouzito, membre ya presidium ya lamuka, na mikolo elekaki, na banza ete biso bonso tomonaki communiqué oyo asignaki conjointement na coordonnateur actuel ya Lingomba lamuka, mwana mboka président Martin Fayulu. Pour la couleur qui s'assole été tozali kokoba bitumba na biso ya résistance donc esika wana courant eza ko lekato eza ko lekate esengeli ko yeba été problème à mon côté ezali entre Adolphe Mouzito pe président Martin Fayulu bazali bango banso ba membre ya présidium ya lamuka mobembo ya président Martin na est na banza été na mongala na lisala. Na banza ete na motuna na yo opesi eyano. Na kati na lamuka elingi koloba te ete soki lokola toza na kati na ya coalition ba parti politique oyo ya biso ekoki ko vivre te. Lelo oyo biso nouvel élan tozali ko sala ouverture président oti ko sala ouverture ya année politique na biso 2022. Tozali yango en tant que nouvel élan. Tozali yango lokola lamuka te. Et l'ingi koloba ete, au-delà, il y a participation na biso na kati na lamuka lokola coalition politique. Chaque parti politique membre ya lamuka aza na droit, na autonomie na e, ya koumene ba activité, ko sala o ezali ba voyage mibembo, pona kokoba toujours bitumba o ezali ya biso panso ya koluka ko lamusa peuple, pona bitumba ya souveraineté nae na moni même parti ya ndeko na biso ADD Congo a otipe ko sala rentrée politique nae donc les autres ça solo été parti nyo surtout na kat na lamuka azali na liberté nae ya ko mbene ba action nae mabende ezali soki na kat na liberté na yo ana ozako zwa ba action ba initiative oyo ezali ko enfreindre to pe ezali ko botola ko bebisa o ezali ba objectif ya la muka tant que ezali ko bebisa ba objectif ya la muka te parti nyo surtout ezali na liberté ya ko s'organiser peut-être ezali ko encourager bandeko na biso
Peresibe na mitingi milulu bazali kosala na lisala ele kamalamu pamba te ezali toujours bona makasi ya lingomba na biso la muka soki bazali makasi biso nouvelle et notre ezali makasi ba parti nyonso ezali makasi omona ete peuple de moto akolonga peuple moto akozala gagnant donc likambo moko te ezali na kati wana retombe ya mobembo ya initiateur to ya leader na biso biso effectivement esengeli to loba yango ete parti politique ezala mobeko moko te oyo epekisi ye azala na bapartenaire oyo esengeli bayebana koakompagne ye donc parmi baresource oyo ekoki kokonstitue mwa libenga ya parti na biso ezali bacotisation ya bamembre ezali badon ekoki kozala subvention mais ezali mpe lisungi oyo ekoki kouta epai ya bandeko tant que lisungi wana eza kouta na baaktivité ya mabe te obabomaki moto obayibaki boye eza lisungi oyo ezali ya malamu mabe ezali te mais awa toza koloba solo ete mwana mboka Adolphe Mozito na mobembo oyo azali na yango mobembo politique ezali mpona koluka se bolamu non pas seulement pona parti na biso ya solo ya azali leader ya parti esengeli ebénéficie na nouvelle élan directement mais ezali mingi mingi mpona kotala ndenge nini kosauve peuple na biso na ekolo na ye pamba te oyebi ete awa bandeko bazali kokamba contre volonté ya peuple bazali kokoba koteka image ya mabe ya ekolo na biso yango esengeli mpe na biso baye tozali na résistance totambolaka mpona kotalisa solo ete baye bazali awa bazali kobunda nde mpona mabenga na bango na mabota na bango donc esika wana tozali kozela baretombe ya malamu effectivement mpona ekolo mpe mpona parti alors motuna ya mama Tatiana mama Tatiana esengeli koyeba ete mwana mboka Adolphe Mozito ntango alobaki ete esengeli na biso ekolo Congo tozala na makoki tozala na makasi ya komettre en place une armée forte oyo esengeli kozala capable ya kobundisa moto nyonso armée nyonso ekolo nyonso oyo ekoya kobundisa biso na mondelo ya mboka na biso azalaki kolobela yango te na baye bazali illégitime lelo parce que esengeli koyeba ete mpona kozwa armée oyo ezali forte mpona kosala bitumba mpe kolonga bitumba wana yambo mpenza esengeli nde kozala na légitimité kozala na bato oyo bazali na ndingisa bazali na mokumba ya peuple peuple apesi bango manda donc eyano wana ezali mpona koloba ete biso nouvelle élan na offre politique oyo ya biso tozali kotravaille justement mpo ete bareforme na secteur wana ya sécurité eba ya kosalema mais ekosalema na pouvoir illégitime te ekosalema na pouvoir oyo ezali légitime pouvoir oyo ezwi mandat ya peuple mpo ete elongo toyeba na kosala ete tozala na armée nationale armée oyo ekambami bongo na bana mboka oyo bazali na susi ya kobundela mboka armée ezala te lokola armée ya nations unies ezalaka na bikolo nyonso wana ezali situation ya armée na biso lelo toza na bikolo nyonso na kati kuna esengeli to netoye yango armée na biso esengeli toloba bosolo ete barapport kilikili etalisa ete tozali na baferiste parmi bakambi bagenero ebele bazali bato oyo baza kosunga basoldat na biso ndenge tolobaka ya molongo te babunda bitumba na bango na lolenge esengeli pourtant bango bazali na makasi bayebi kobunda me makoki bazozwa te baminision oyo ekosunga bango ete bayebaka kobunda ezozwama te mais comment voulez-vous toyebana kolonga bitumba na bato ya lolenge wana tala ndakisa lelo oyo bakei kosala accord na uganda mpo ete aya awa baya soi-disant kotrake baadef nabo mais esengeli bazwa courage ya koyebisa biso soit armée na biso eza faible soit bazali na makoki te ya kosoutenir armée na biso en terme ya munition na misolo mpo ete balonga bitumba wana comment okoki kokende kozwela biso armée ya ekolo oyo toyebi ete ezali moko ya baagresseur ya ekolo Congo barapport nga te moto naza koloba yango to nouvelle élan te moto elobi yango
par rapport aux Nations Unies et même nous avons dit qu'il y a un arrêt à Cour internationale de la justice et qu'il y a un arrêt à Ouganda, Azali, Moko, il y a un agresseur, il y a Ecolo Congo. La preuve, c'est que dans l'année 2000, tout le monde a bango, dans ma belle à Congo, dans Kisangani, au Bunda, au Beta, Massassi, bango na Ecolo Rwanda, pe ma, makila et sopana, makila à Bandeko Nabiso. Mais tant que vous voyez, au côté de Bokambi, dans le lien illégitimité, contre volonté à peuple, au Bossani, manso, au Bossani, histoire, bambate, Miliki, les alliés qui sont ivresse, il y a Miliki qui est dans le poteau. Ok, Yokana, na ekolo où les alliés agresseurs dans le biso, pour être soi-disant, il faut traquer la force négative. Au bandit, il y a l'école où il y a une armée, il y a une armée qui est dans le pour l'intérêt à peuple, il y a une armée qui est dans le poteau, il y a une armée qui est dans le poteau, il y a une armée qui est dans le poteau, il y a Na banza ete mwana mboka Adolf Muzito maya lobaki pona Rwanda a changé ya ngote mais seulement gouvernement oyo ekozala na légitimité na confiance ya peuple nde ekozwa musala wana ya kobatela mondelo ya ekolo na biso et soki lenge to lobaki basali tembe tozali capable c'est tout en armée oyo ekozala capable il y a pour qu'il poursuivre, pour sécuriser ma frontière Nabiso, qui n'a qu'à ce qu'il y a pour être peuple congolais, à retrouver paix, qui n'y a qu'à ce qu'il y a pour qu'il y a un moule à l'État. Le bilan de M. Tshilombo, nous pouvons le résumer par ce que l'on a appelé l'amateurisme et l'affairisme. Là, je m'en vais directement répondre aussi à la quatrième question. C'est ce qu'on entend par amateurisme et affairisme. Mais je veux commencer par le commencement. Lorsque M. Tshilombo arrive au pouvoir, il prend son directeur de cabinet. Son directeur de cabinet, alors qu'il n'y a aucun texte de la République qui lui donne les compétences de piloter un quelconque projet qui ouvre la vie des populations. On a vu le directeur de cabinet de M. Tshilombo aller piloter ce qu'ils ont appelé projet de 100 jours. Conséquence, dilapidation de plus de 57 millions de dollars. Je peux citer encore un cas récent. On a vu un de ses conseillers aller piloter un projet de construction d'écoles et, en tout cas, écoles dans le Kasaï, la province du Kasaï. Conséquence, aujourd'hui, nous ne savons pas qui dit vrai, qui dit faux, parce que de l'autre côté, il y a l'INPP qui se justifie pour dire que non, ce n'était pas piloté par l'FPI, okay, qui n'était pas piloté par le conseiller. De l'autre côté, le responsable du territoire qui dit non, ben, lui, elle n'a jamais vu cet argent. Bref, c'est que M. Tshilombo et son équipe avancent dans ce que l'on peut considérer essai-erreur, parce que ça, normalement, s'il faut rester rigoureux sur le plan de texte, tous ses conseillers, tous ses collaborateurs doivent être punis, doivent être en tout cas entendus, parce que ce qu'ils font entre dans le cadre des attributions du gouvernement. Mais malheureusement, nous constatons que M. Tshilombo encourage, parce que comme il est dit mot, il encourage ses collaborateurs à entrer dans les attributions du gouvernement. C'est ce qui justifie, entre autres, l'amateurisme au sommet de l'État. Il a parlé récemment du projet des 145 territoires qu'il va financer, qu'il va doter de ces territoires de fonds pour le développement. Mais est-ce que ces projets ont été prévus par le programme du gouvernement? Est-ce que ces fonds, c'est vraiment prévu dans le budget 2022? Ce sont là les questions que nous devons nous poser pour répondre à cette question d'amateurisme. L'affairisme, mais je crois que vous l'aviez compris, donc tous ces conseillers font un effort, font de leur mieux pour se retrouver dans tous les dossiers censés se retrouver dans les secteurs, en tout cas spécifiques au niveau du gouvernement, Misato. Nouvel élan, asala na gouvernement à ta mon côté. Nouvel élan, ndenge to lobby, to zali quand même na moi le lendo. Ya komi félicité, ba camarade militante et militant, ba cadre ndenge ba fandiawa, ba za na moi le lendo, ya komi félicité, ko lobaye te to zali ko bunda, ko sala mosala ya makasi na terrain,
Bamba te nambula misato bamba leloyo tozali na Congo mobimba. Elingi koloba ete biso tosala na gouvernement ata moko te. Mais peut-être motuna na yo lingai kotuna par rapport ya leader na biso mwana mboka Adolphe Mozito. Olobi ete asaki na gouvernement o ezaki légitime. Mwana mboka Adolphe Mozito esengeli koyeba ete asalaki membre ya parti politique Songolo na kotanga parti Palou. Oyo ya patriarche Antoine Bizenga lelo palu ango on dirait za kali sous tête mais mon mboka Adolphe Mozito ya zalaki membre ya palu oyo ya patriarche Antoine Bizenga et en tant que tel ne akotaki na bokambi ya ekolo lokola d'abord ministre ya budget ensuite lokola premier ministre mon mboka Adolphe Mozito. Parce que parenthèse, wana ifongwami et sengeli kolobela yango. Oui, bien été. Na lekaki na émission moko et lekaki na bandeko moko oyo baza komi benga ya union sacrée. Alo bien été. Et sengeli koyo ke landeko chilombo mawa tope kopesa yango ngapamba te akuti mboka na isika ya mabe. Ma yazali ko sala lelo atako ba resultat ezo mona na teme akuti mboka na libunga ngana ABC na bimendeko ozali ko kosa na moyi makasi pe heureusement bato bazali baza ko mona yo nala kisanda kisaya moto oyo akuti mboka na se pe amemi yango quelque part mwana mboka Adolphe Mozito tango akotaki na bokambi na nzela ya parti na ye oyo ezalaki palu ezalaki te parce que esengela ya zalaki ko bunda bitumba ya kolakisa oye alingaki par rapport ya mboka ndenge eza kotambola tote mais alingaki ko mema o ezali kote technique o yaye avec espoir que ba ya zalaki ko travailler na bango ba ko comprendre et esengela ko tia intérêt à peuple liboso pe kotika ba intérêt égoïste na bango na sima mais malheureusement réalité ezalaki bongote mais malgré ça ya lakisaki ndenge balobaka o yaye nzebi nakende na ba indicateur bobele se moke pona ko abuser na ngonga na binote tango akoti na bokambi mwana mboka Adolphe Mozito en tant que premier ministre akuti budget ya mboka ezalaki na 860 millions mais tango ya azobima atiki yango na 3 milliards 600 millions ezolakisa epai oyo akuti mboka na libulu pe apport na yena mbula misato bamba basusu kino na moyi ya lelo basi basali mbula misato mais balobi ete il faut bopesa bango excuse parce que bakutaki mboka na mabe mais bazoyebisa biso te bakutaki nini bango bamemi nini mais biso ndakisa yango wana oyo ya budget ndakisa ya PIB ya kutaki produit intérieur brut na biso ezalaki na plus ou moins 20 milliards de dollars amemi yango atiki yango na 45 milliards de dollars wana ezali kolakisa maya asalaki na baaffaire mpona kotalisa ete akotaki non pas pona koluka bitumba ko bunda pona ye mais pona kotalisa ete capacité to pe makoki ezali ete to mema peuple na dimension mosusu mboka ya peuple nkitana ye o ezali na se ya mabele e profiter na ye moko ba professeur ya université aye akuti parce que na zui exemple ya professeur ya université parce que quelque part to kolakisa lelo yo ete ba ebalobe sengele ba pesa bango temps. Au moins, on a été basé dans le monde. Mon amboka Adolphe Mozito, tant qu'on a côté avec beaucoup de professeurs et universités, basé à 400 dollars. On a pas été dans le sous contrôle des profs. Mais, n'ambou la mise à toi, à sali tant qu'on a zobima, à même les professeurs et universités qui n'ont qu'au soir salaire aux acquis évalué na 2000 dollars. En francs congolais, évalué na dollars na 2000. Mais, n'ambou y aller là, bateau balobi était et singel côté que la banque autant. Au comment on a été na budget na bango ya 2022 ao balobi été ba matisi masse enveloppe salariale wana oyo na époque ya mon mboka Adolphe Mozito ezalaki na 1 milliard 500 millions bango ba komisi yango na 3 milliards nzoka ndé na époque ya 1 milliard 500 millions ya tikaki ba professeur ya université na 2000 dollars mais lelo ba matisi enveloppe soi-disant na 3 milliards de dollars. Basali ete salaire ya professeur ya université o ezalaki évalué en dollars na 2000 et ki tana moyi ya lelo na banza na 1400. Omoni ete bato wana non seulement baza ko sala eloko te mais baye ko boma na mwa ndambo moke o etikalaki. Donc ndeko na ngai na banza ete
Montuna sur mon amboka Adolphe Mozito et Sengeli Tango Olingi Kotuna Yango Tosala Bisoban Sonamwa Motema Likuniate Tosala Nabo Sembo Yako reconnaître a été apport Oyaye non pas ya parti naye ya mon amboka Adolphe Mozito le la membre ya Palou et Zala qui très significatif parce que Basusu Balobakababi mais Wana Zali bilan ya Kabila. Mais tu es Rabango, avant été Adolphe Mozito à Kotana Bokambi, local la premier ministre, régime Moana et Zalaki, pena ba premier ministre Basusu. Tangoye Abimi, en tant que premier ministre, ba premier ministre Basusu peut ba kitana ki na ye ba kikosa la mosala wana. Mais ce qui est au tali, na ba chiffre wana comme on a été moto mokote, atikali kosala. Oyo mwana mboka Adolphe Mozito asali na ekolo na biso. Tozano en direct ya siège ya Nouvel Élan et pa yapi bo organiser rentrée politique. Esengeli ba congolais ba landi Afrika cool ba comprendre nini par rentrée politique bo kenda ki pose bo zongeli ba activité ou comme. Merci mi maman mi Thérèse. Au moins tant tozolo ba rentrée politique ezate ke non Nouvel Élan kenda ki vacances ndenge za la ba na classe. Oui ça cela veut dire que non to outi ko bimana année 2021. Nous de côté en 2022 on va bien échange de vie donc pour nabiso une bonne nouvelle là tout le échange de vie nous moni le oyoboy ce jeune nabiso maître Blachard na président Paul Mboma au travail initiateur oza na voyage de Toulbaki tokuta lelo na ba cadre na ba militant nous sur parti na ba communicateur pour na côté c'est que non to bandi en 2022 oyoboy olandi na monoro seja lobby en 2022 vous allez année il y a action oyoboy tout ça pour préparer pour ma pronami, il y a élection, il y a 2023. Où est le candidat Nabiso Adolphe Mozito à Rosala, candidat président de la République. N'engé Nabisa qui binolo téléphone na chaîne Nabino ya Afrika Cool. Voilà. Et loko autori ko loba pour na rentrée politique. Et le bité est notre candidat qui est en repos. Donc, ils ont juste un échange de vie. Il y a un moni, tu bénis un go na terme, Mozito pour na ko. Aux Olympiques, bilo ko boule, lo boule, lo. Donc, c'est un peu ça la sensation. Merci beaucoup, Ndekovono. Oui. Afrika cool, et abena cool, ouais. Afrika cool, et abena cool, le quoi cool ma topi, ouais cool. En tout cas, les chaînes y a bien, et puis vous êtes très rapide, les chaînes moko, bah quoi ça a bien nos confiance. En tout cas, nous sommes en abattu, oh yonan nous bas souscrire des bazoa. Donc, ils ont vraiment été au balo bakaki, boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Afrika cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Maman. Mon chaîne Oeza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.